Alors sans le vouloir, Baron, je t'ai pré-shot. ce n'était pas du tout prémédité. Je l'assure. Bon, j'arrive tout de suite. Ça y est. Voilà. Fallait que je fasse ma communication sur les réseaux, bien entendu. Et hop, yo. J'espère que vous allez bien. Salut Baron, du coup. désolé, je dépréchote sans le vouloir. Mais voilà. Je sais pas sur quoi tu voulais. Tu voulais streamer sur quoi, tiens, Baron? Non, ça va pas. tu fais quel jeu en ce moment? Parce que j'ai pas suivi tes derniers lives. Enfin, j'ai un peu suivi les derniers lives de personne, on va dire. Mais nous, aujourd'hui, comme je l'ai dit sur Discord et un peu partout, je voulais relancer le stream avec des jours sans stream. Ah ouais, t'inquiète, tu pourras streamer après. Je te ferai un raid. Allez, c'est pour moi, c'est cadeau. Et nous, de notre côté, aujourd'hui, on va jouer Resident. Ah, oh, oula, oula, oula. Je voulais lancer un nouveau jeu. Alors, lequel? Vas-y, dis-nous. C'est quoi le nouveau jeu? Vas-y, on veut savoir. Le monde veut savoir. Je vais encore baisser le son de la musique, parce qu'elle est un peu forte. Nous, de notre côté, on va lancer Resonance of Fate sur PS3. Je connais pas. Mais nous, on va lancer Resident Evil 3 sur PS5. Parce qu'on a fini le 2 il n'y a pas très très longtemps, donc on va commencer le 3, qui, d'après ce que j'ai vu, est très court. Il est très court, hein. Déjà, il n'y a pas 4 scénarios à faire comme dans le 2, t'en as qu'un seul dans celui-là, et apparemment il est assez rapide, donc on va voir ça. Salut les Gaspard et les Gasparettes. Oh, mais ça fait plaisir, Roro est avec nous. Salut Roro, j'espère que tu vas bien. Je disais, du coup, ce Resident Evil 3 Remake, très Etienne PS4. Non, PS5, enfin, même si c'est une boîte PS4. Mais on joue sur... On est sur PS5, hein, voilà. Ça va, Imhotep. Ah, c'est cool. Donc, je disais, du coup, ce jeu-là est très court. Et d'ailleurs, je vais m'empresser de mettre la galette dans la console. Ça sera peut-être mieux. Donc, on va voir ce que ça donne. En tout cas, pour moi, c'est une totale découverte. Je n'ai jamais mis la main sur ce jeu. Je l'ai depuis plus d'un an. Et j'ai quasiment jamais joué. Je l'ai juste lancé une fois. Mais j'ai même pas fait le début, quoi. C'est Donc, on va pouvoir couper la musique. Si je trouve. Yep. Et voilà. Tac. Et transition PS. Enfin, transition jeu. La transition va pas se faire. Oh! Oh! Merci! Bon, elle rame comme d'habitude, mais c'est pas grave. Hop, on va remettre. Je vais mettre le son du jeu pour moi. Tac. Voilà. Et vous pouvez voir, du coup, que c'est un peu fait autrement. Parce que là, du coup, on a, donc, on a la version PS5, PS4. Et on a... Résistance, je sais pas du tout ce que c'est. Dites-moi c'est quoi. Non, je voulais pas le télécharger, mais non. Je sais même pas ce que c'est. Oh, ça doit être un mode multijoueur, ça. Ouais, mais non. Non, en fait, non. Tu vas aller te faire voir parce que ça ne m'intéresse absolument pas. Annuler, supprimer. Voilà. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le jeu de base. La terreur. Alors du coup, donc je sais que donc on a le Némésis dans ce jeu-là, qui est un peu l'équivalent de Mister X. Hein. Donc on va prendre cher notre race. Voyons voir. Toujours avec le Hero Engine, bien sûr. Les données sauvegardées du système PS4 peuvent être convertis pour utiliser sur la console PS5. Bah non, parce que j'ai pas de sauvegarde en fait, donc je dispose d'une sauvegarde automatique, je ne sais pas... Ok, d'accord, j'ai même pas le temps de lire, connard. Je vais mettre... Il y a du bruit chez moi.
Ça doit être ma mère qui est rentrée. Alors, je vais peut-être mettre le son casque. On va laisser les sous-titres et on est bon. Faire ça comme ça. On va faire ça comme ça. Alors, ray tracing, oui. Ah, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal qui montre la différence entre ray tracing, oui et non, même si c'est sur un frigo. Vous pouvez voir que mon mode ray tracing c'est quand même plus beau. Hein. Donc on va laisser le ray tracing. On l'avait déjà laissé sur le 2. Donc on accepte les données de confidentialité, bien sûr. Oui, de toute façon on n'a pas le choix. Et on va commencer une nouvelle partie. Et pour la cinématique de début, on va se mettre en plein écran. Hop là. Alors, donc normalement, dans les options, on n'a pas trop... C'est quoi ça, champ visuel? Ah! Ah, Mélodie! Salut à toi! Comment tu vas? Attends, parce que du coup, on voit plus ma tête. Voilà, coucou! Comment tu vas, Mélodie? On commence ce jeu. Je le découvre totalement. Pas bien, et toi? Oulah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? D'ailleurs, tu es sub à la chaîne. À mon avis, tu as dû recevoir un sub gift de la dernière fois. attends, est-ce que je regarde les... visée de la caméra, tremblement de la caméra. Ok. Ok, allez, on lance la cinématique. On se met en plein écran et on y va. En mode normal, bien sûr, parce que j'ai dû amener Milo en urgence chez le veto car il vomissait sans arrêt. Ah ! Mince, pardon. Mode normal, parce que mode hardcore, j'ai pas envie de souffrir. Cette épidémie se propage à une vitesse encore jamais vue dans notre histoire. Il y a une foule incontrôlable dans la rue, les bâtiments sont en feu. Les autorités se préparent pour plus d'émeutes ce soir. On assiste à des incendies, des affrontements. On a retrouvé un patient, complètement déficient. L'état d'urgence a été déclaré dans toute la ville. Ouah, mais c'est incroyable, c'est des images d'archives pendant le Covid. Non, je déconne, pardon. Engagement, honnêteté et intégrité. Telles sont les valeurs essentielles qui constituent le ciment d'Umbrella Corporation. Et ce sont ces valeurs qui contribuent à construire un avenir meilleur pour chacun d'entre vous. J'arrive, Mélodie, hein, t'inquiète pas. Oh yeah. Thomas dit qu'elle a la radio et trouve un objet dans son estomac, fait qu'il l'opère. Un objet? Un objet dans son estomac? Mince alors, qu'est-ce que ça pourrait être? Ok, ça commence en mode première personne. Ouais, c'est ça qui m'a surpris. Genre, pourquoi il irait manger un objet? Bah, peut-être qu'il a confondu avec une croquette, hein, ça peut arriver. J'ai beau chercher, j'arrive pas à trouver. Mais genre, l'objet doit bien avoir une forme à la radio. T'as pas potentiellement reconnu? T'as peut-être pas vu la radio, ceci dit. Attends, déjà, il y a un truc qui me dérange.
Ok, on peut pas le modifier pour l'instant. Ouais, elle m'a dit que ça ressemblait à un Kong. Un Kong? Ah ouais. J'en ai pas à la maison et c'est gros comme objet. Bah ouais, c'est bizarre. Ok, donc ça commence sur un mode première personne à la Resident Evil 7 et 8. C'est un, c'est un jouet pour chien, les Kong. D'accord, ok. Ouais, c'est un objet où tu peux mettre des friandises dedans. D'accord, oui, d'accord, je vois. Et donc voilà le personnage que nous incarnons. Voici Jill Valentine. Un peu mal en point, Jill, hein. Ouais, mais vu la tête de mon chien, j'aurais acheté le médium, voire le maxi. Bah ouais. Bien le bonjour. Par contre, c'est quoi ces voix encodées avec le cul, là ? Trois jours. Il y a dû assez de... Alors, à moitié. C'est bizarre. On a retrouvé des couleurs, hein, que ce soit la vue ou autre chose. Il me manque... Oh, t'inquiète pas, Mélodie. Je suis sûr que tout va bien se passer et que tu vas le retrouver en pleine forme. On va peut-être mettre un peu de lumière, ce serait peut-être mieux, non ? Rapport de Jill. Alors, donc... Bah, voilà, hein, c'est écrit. Les événements de RE3 se passent 2 mois après le deuxième opus. Voilà. Et on est toujours à Raccoon City. Oh, dis donc, Jill, t'as pas fait la vaisselle. Va que t'ailles faire des courses aussi, parce que t'as plus grand-chose à manger, hein. Ok, alors, intérêt d'ouvrir le frigo, aucun. Si, comparer le mode ray tracing, peut-être, je sais pas. Putain, j'ai OBS qui merde, il veut pas lancer le stream depuis tout à l'heure, c'est aussi pour ça que t'as pu lancer avant moi. Ah ouais ? Merde ! Bah... Attends, je laisse passer la cinématique, j'arrive. Ok ! 28 septembre, 20h07, Raccoon City. Donc je suppose que nous sommes en 1998, hein. Il est beau le jeu, il est très très beau, hein. De toute façon, attends, au pire maintenant, hein, comme c'est... voilà. Oui, bah c'est bon, attends, oh, hop. Alors déjà, Baron, t'es pas le seul à avoir des problèmes, parce que Titou a eu des problèmes avec son OBS aussi, et c'est depuis qu'il y a eu une mise à jour de fait. Alors je ne sais pas si tu as fait une mise à jour aussi, Baron. Moi, j'en ai pas fait, donc c'est pour ça que j'ai pu lancer sans problème. Donc voilà. Et le jeu est très très beau. De toute façon, les RE2 Remake et RE3 Remake sont très beaux. RE7 aussi et RE8, depuis qu'ils ont créé le RE Engine. Voilà. Bah si, j'ai fait la dernière mise à jour. Fais chier. Ah, tes conneries, j'ai fait la mise à jour hier.
Alors, Mélodie, je te conseille d'aller voir ton OBS. Si prochainement tu veux streamer, je te conseille de voir si t'as pas de soucis. Hein? Ouais, tu vois, dans le doute, je l'ai pas faite. On va attendre un peu. Bah, demain. Bah, je te conseille de regarder dès ce soir. Alors, est-ce qu'on a encore plein de... Coucou, miaou, tout le monde. Oh, salut, chaton féroce, comment tu vas? Le plaisir de te voir, ça fait longtemps que j'ai pas stream non plus. Bah, pas grave, je le décalerai au pire. Ouais, c'est sûr. Hop, donc, il y a plein d'infos à récupérer. Et le mec au téléphone est très patient, hein. Ça va et toi? Bah écoute, ça va tranquille. On commence Resident Evil 3. Allô? Jill, est-ce que ça va? Brad, c'est toi? Écoute, sors vite de chez toi! Qu'est-ce que tu racontes? Pas le temps de t'expliquer! Va-t'en de chez toi! Tout de suite! Ok, je me prépare et je... Ah bah voilà! Ça commence! Ouch! Pour une fois que j'arrive au début, yay! Ah bah oui, là t'es au début, chaton. Hein. Même pas mal. C'est quoi, ça? On se casse! On se casse! Oh la vache. Et on va passer par la fenêtre. Un gars dopé qui a mal tourné, c'est ça. C'était sûr en fait. Allez. On se sauve. Eh bah Jill, elle s'est pas épargnée dès le début du jeu, hein. Alors j'ai trouvé la panne. Oui. Quelle est donc la panne? Pendant que moi je me fais éclater la gueule. Ah. Oh, c'est quoi ça? Un problème avec mon codec de carte graphique. Ah oui, ça arrive ça. Il suffit de remettre les... faut juste remettre le pilote en fait correctement. Ouah, ça fait longtemps. Ouah, 10 mango. Bah oui, ça fait longtemps, ça fait 2 semaines. Ça fait 2 semaines, comment tu vas? Jill, par ici. Ouais bah attends. C'est déjà trop. Ah bah... J'en ai aucune idée. Mais il a une dent contre les deux membres du Stars en Orville. Toi et moi. Je vais pas moisir le jeu. T'as vu ce bordel? Si on reste là, je donne pas cher de nos pauvres. Par contre, les voix sont très très mal encodées, c'est pas agréable. On en est arrivé là. J'en sais rien. Ce que je sais, c'est que les emmerdes n'arrivent jamais seuls. C'est comme Harkley. Et en pire. Donc le gameplay est très très similaire aux deux, hein. C'est ça. J'ai pas que personne soit infecté. Brad, attention. Tellement...
Vite! Non mais ces voix mal encodées, ça, mais sans déconner, ça me fout en l'air ça. Ah bonjour. Allez le. Ça c'est le tuto. Voilà. Oh là là. Évidemment. Je sais pas où je vais. Je sais pas où je vais. Bordel de merde. Laisse-moi tranquille. Faut que je fasse demi-tour quand même. Mais faut aller où? Mais... Oh, bon bah ça... Ça va partir sur un... Ouais. J'ai quand même beaucoup de santé, hein, faut le reconnaître. Faut aller dans le bus. Ah non, fallait passer en dessous, je suis un connard. Oui, sinon Dismango, ça va super bien. Désolé, hein, j'ai pas... je sais plus si je t'ai répondu. Décidément, j'ai la mémoire courte. Ah, fallait que ça sorte. Faut aller où maintenant? Faut aller là. Là-bas! Rendez-vous sur le toit du parking! Parking. Okay. Monsieur, est-ce que ça va? N'approchez pas! Laissez-moi tranquille! Allez, vous avez entendu? Un hélicoptère va vous conduire en lieu sûr! Quel lieu sûr? Pas question que je sorte d'ici! Par contre, j'aurais bien des munitions, s'il vous plaît. Vous y emmenez. Le seul lieu sûr, c'est là-dedans! Ok mon ref, hein, si tu veux. Est-ce qu'on a des munitions, s'il vous plaît? Oui. Super. Non, 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 pas les chiens. Non, pas les chiens. Ah, le retour des voitures complètement difformes. Oh! Non, non, mais non, je vais mourir! Allez, vas-y, 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 vas-y. Ouais, c'est ça, coup de pied, voilà, et on y va. Ouais, j'arrive. Je sais qu'il va se passer quelque chose, c'est obligé. Et ben voilà. Qu'est-ce que je vous avais dit? C'était pas du tout prémédité.
toute façon, il est mort. Hein, donc. Évidemment, ça va pas démarrer. Alors déjà, comment tu peux survivre à ça? Oh, lui, oui, mais Jill, comment elle a pu survivre à ça? Désolé, ça me trigger de ouf. Hein. On est en sécurité. J'espère. C'est là qu'on groupe les survivants. Où ça, là? Les gars ont converti des rames de métro en abri. Crains rien. C'est bon. Besoin d'espace, hein. C'est bon, j'ai compris. Allez. En fait, les voix sont mal encodées en cinématique, par contre, in-game, il n'y a pas de problème. C'est extrêmement bizarre. Qu'est-ce que tu sais sur ce monstre ? Donc oui, je peux confirmer, nous sommes bien à Raccoon City, toujours. Et on va faire un truc que j'avais fait dans RE2. Ah là, le réticule. On met en rouge. Rien. J'ai jamais rien vu de semblable. Mais c'est pas un zombie. Il sait ce qu'il veut et il fera tout pour l'obtenir. T'aimes pas ce genre de mec ? Non merci. Je te laisse. Ah. Écoute, avec moi tout va bien se passer. Je suis de l'UBCS. Le groupe de lutte contre les menaces biologiques d'Umbrella. Tu te fous de moi ? C'est une blague, c'est ça ? C'est vous qui avez causé tout oh, ça ? Du calme. Qu'est-ce que tu racontes ? On est là pour aider la population. C'est quoi le problème avec Umbrella ? C'est quoi le problème avec Umbrella ? J'hallucine. Ta boîte est juste coupable d'avoir contaminé tout le monde, bordel ! Ah ouais. C'est la première fois que j'entends ça. Écoute, t'es pas obligé de me croire. Mais moi, je vais à l'abri. Viens. Moi, j'aurais bien me soigner. Allez, c'est par là. Bah, y a pas du soin quelque part, là ? Ça fait pas du tout Terminator. Capitaine, cette charmante demoiselle a besoin de nous. Carlos, t'as même pas demandé son nom à cette charmante demoiselle. Il s'agit d'un agent d'élite des forces spéciales de la police de Raccoon, le STARS. Son nom, c'est quelque chose comme Valentine. C'est Jill. Ravi de te rencontrer, Jill. Je suis Mikhail Victor, chef de peloton de l'UBCS. Mon équipe a été envoyée ici pour secourir les civils. Je vois. Et comment ça se passe ? La ville est complètement coupée du monde, isolée.
La grande majorité des 100 000 citoyens de la ville vont mourir. Enfin, façon de parler. Mon peloton a essuyé de sérieuses pertes. Garantir leur survie est au-dessus de mes moyens, désormais. Bon ben, vous pouvez remercier votre employeur pour ça. Ouais. Eh bien, on fait tout ce qu'on peut ici. Si on réussissait à faire démarrer ce train, on pourrait évacuer quelques survivants. Mais on a besoin d'aide. Mes hommes n'y arriveront pas tout seuls. Très bien. J'en suis. Mais je fais ça pour eux. Pas pour vous. Hé, hey, oh. On veut tous la même chose. Merci, Jim. Bon, Super Flick. Prends ça. On servira à rester en contact. Je sais ce que c'est, un Toki. Bon, faut pas perdre de temps. Va falloir t'équiper. Dirige-toi. Va me soigner surtout. Du matériel. Ok. Merde, capitaine. Ils nous ont salement amoché. Oh, ça va, j'en ai vu d'autres. Alors, fabriquer des munitions. Alors, munitions pour pistolet, bon, en fait, c'est exactement le même système que dans Resident Evil 2. Hein, c'est les mêmes combinaisons de poudre. Donc, dans l'absolu, on n'est pas trop dépaysé, ça va. Bon, moi, je veux du soin, s'il vous plaît. Disons que là, alors en fait on a la barre de vie qui s'affiche sur la manette, donc on a les LED rouges là parce qu'on est un peu salement amoché. Juste un peu, bien sûr. C'est quoi ça? Page d'un tabloïd. Cas de cannibalisme. Oh, mon PC est pas à jour non plus, bordel, je re... ça marche, baron. Alors, oui, ok, c'est ça. Moi, c'est ça c'est que je voulais. Pour se retourner rapidement, paf, comme ça. Jill, c'est Carlos. Est sorti de la station? Presque. C'est quoi le plan, alors? Le vieux m'a chargé de déblayer les voies. Est-ce que tu veux bien remettre le système du métro en route? Et comment je fais ça? D'abord, il faut rétablir le courant. Je te guiderai vers la sous-station une fois que tu seras dans la rue principale. Compris. Je me dépêche. Alors ça, on peut le casser, mais on peut pas foutre de coups de pied ou... Ah, j'ai un couteau. Attends. Je peux mettre un coup de couteau. Voilà. On a une plante rouge. De la poudre noire, de l'herbe verte qu'on va directement... Oui, oui. Attends. Merde, ça marche comment? Combiné. Voilà. Avec la petite ref à Dragon Ball, bien sûr, hein, pour le trophée. Ou peut-être pas, c'est peut-être un totalement random. Ah, ça va beaucoup mieux. Ah, qu'a priori, notre couteau ne se casse pas. Tant mieux. Donc on est un peu à la Resident Evil 4. En fait, j'ai encore allongé ma liste de jeux qui a remplacé plus 6 jeux, ce qui me fait qu'il reste à remplacer en tout 14 jeux, 2 jeux PSP, 2 jeux PS2, 6 jeux PS3, 4 jeux PS4. Hop, donc on a toujours ce système de coffre
qui nous suit en fait dans l'absolu. Donc des jeux que j'ai déjà, mais pas en first edition. Ah tiens, déjà on va faire ça. Voilà, ça va nous faire des munitions en rab. Ah parfait. Et on commence avec une petite énigme des familles. J'ai l'impression que je pourrais faire marcher ça en mettant quelque chose à l'intérieur. Tout sur les plantes. Ah, on peut combiner trois plantes vertes. Par contre, c'est sombre. Hein. Je vais mettre un peu de luminosité en plus, parce qu'on voit pas grand chose. C'est un peu mieux. Repartir ce métro. Ah ! Herbe ! Enfin, je voulais tester la commande, mais Ah, mais par contre, c'est pas mal, ça. Mal dans les pieds. Ce qui est sûr, c'est qu'on manque pas de munitions, hein. Ça, c'est cool. Oh! Tiens, boum! Le tout, c'est leur tirer dans les pieds, comme ça. Non, on a un couteau qui ne s'abîme pas, c'est cool. Allô ? Allô ? Y'a personne ? Mais ça, comme ça ! Oui, d'accord. Ouah, ce spam ! Pas mal, non ? C'est français. Ouah, ce spam ! Je crois que Sam est content que je revienne en stream. Je sais pas pourquoi, mais... sinon, salut Sam. Ok, une crise cardiaque c'est fait. Alors pardon, chaton féroce, désolé, le son était un peu fort. Je vais baisser un peu au niveau des animations. J'avoue que mon retour est assez fort aussi. Donc, mais je go à la douche d'abord. Et après, tu dis que c'est moi qui passe mon temps sous la douche. Non, je déconne, j'en ai pris une aussi tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Pas de sushi, ça m'a réveillé. Inquiète pas. We buy old toys. Bon, alors, le problème c'est que même si je tire dessus, ça ne va rien faire. Ce serait trop simple, hein. On n'est pas dans RE4. J'espère juste pas que la barrière va casser. Carlos, dans la rue principale, au Jaillou. Tu vois une tour de transmission? C'est la sous-station. Tu vas devoir prendre une allée sur la droite pour t'y rendre. Tu veux dire, ça inquiète un peu? Peut-être. C'est pas de ma faute si ton regard de braise a encore fait des ravages. Mais c'est quoi ce dragueur là? Merci. Et merci GG pour les level up. Ah oui, attends, faut pas faire un truc avec Ouais non. Bien évidemment quand on va revenir, il va se passer quelque chose.
Bah voilà. Ah, c'était pas du tout prémédité non plus, ça. Il faut lui donner des croquettes, hein, monsieur. Il a l'air mort de faim. Ouais, mais ça marche que dalle leur truc d'esquive là! Ça marche que dalle. D'abord aller par là. Sinon, Jill, tu sais qu'il existe la lampe torche aussi pour y voir mieux. Ah, alors ici, il y a un coffre, mais on n'a pas la combinaison. Un journal du pharmacien. Quand on remet Aquacure et moi, les voyants ne sont pas prêts à les toucher. Poudre noire. On va refaire des... Je vais y arriver, hein. On va refaire des balles. Voilà. Bien sûr. Bref, Malice Wanted est à jour. Mort ou vif. Corps des balles, mais c'est bon ça. Je vais avoir beaucoup de munitions. Bonjour. Attends, on est où là? Et c'est 13 jeux, pas 14, j'ai mal compté. Ah! Redstone Pharmacy. Oh, 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 oh. D'ailleurs, Etienne, il est où mon cadeau? Il n'est pas encore commandé. Hop, tu arrêtes de m'emmerder. Alors, j'avais fait la démo du RE3. Et j'avais trouvé une solution. Voilà, la combinaison du coffre est juste là. Et il y en a encore des munitions de pistolet. Outre supérieur. Après, c'est tout ce qu'on a. Non, une plante. Je prends aussi. On va retourner là-bas. Alors, on a donc c'est quoi? C'est 9 gauche, 3 droite, 7. Non, 9, 3, 7. Je me suis trompé. 9. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yes! Et on obtient
viseur pour pistolet. Donc ça va partir directement sur le pistolet. Super. Et on a un meilleur viseur. Ça commence bien, c'est cool. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Et on a un petit raccourci d'ailleurs qui nous ramène en haut. Ah, il y a des bruits. Verte. Bien qu'on a un meilleur viseur, le pistolet n'est pas plus puissant pour autant. Hein. Vous êtes témoin, j'ai essayé d'esquiver. Hein. À mon avis, ça doit être un coup à prendre. Je suis témoin. Et t'es aussi témoin que lui, il vient de se ramasser la tronche comme pas possible. Avec encore des munitions de pistolet. De la poudre noire. Qu'on va combiner. Hein. Écoute. J'ai encore un peu de mal avec les commandes. Hop, hop, voilà. Ça, on gagne un peu de place. Donc là, on a toujours pas ce qu'il faut. Et là, on a un point de save avec un coffre. On peut toujours examiner les objets. Ça tombe bien, c'est ce que je voulais faire. Avec une gemme rouge. Cette musique est très cool. Non, j'aurais peut-être dû utiliser la plante verte. Donc là, on a tout ce qu'il faut. Merci déjà. Non mais sans déconner, mais oh là 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 là. C'est bien ça. J'aime bien quand ça explose comme ça. Aston Pharmacy. Ah oui, ça nous ramène là, d'accord, ok.
le ménage, hein. Parce qu'il faut niveau munitions, donc, hein. Ah, j'ai pas ce qu'il faut. Mince. Alors, est-ce que ce qu'on cherche... Ah, ça va forcément être quelque part. Donc, attends, on n'a pas été voir, là. Oh, oui, hein. On n'a pas été voir ici. Bonjour. Ok. Nous récupérons un tuyau d'incendie. J'ai dégoté un fusil à pompe au cas où c'est un. Je vais sortir pour essayer de trouver une munition. Si jamais tourné, couper la chaîne et sorti l'eau de sa cage, je prie pour qu'on s'en sorte tous vivants. Effectivement, il y a un fusil à pompe ici. Et ce serait cool si on pouvait le récupérer, bien sûr. Oh, écoute, oh, la grenade, vas-y, on prend. Hein. La poudre noire, on va directement la combiner. Et on va faire ça. Ça, on peut pas encore ouvrir. L'autre est censé mourir en fait. Alors ici, on est où? Ça doit être les bureaux de la compagnie de métro. Il se passe rien. En cas de coupure de courant, le métro cessera automatiquement de fonctionner une fois l'électricité rétablie. Veuillez utiliser le panneau de contrôle pour le confirmer les gares dans lesquelles le train s'arrêtera ainsi que les voies utilisées. Utilisez les objets clés. Ouais, mais je sais pas ce qu'il faut. Ah oui, non. Tous les cas, on doit revenir en arrière. Maintenant qu'on a récupéré le... Je pense qu'on est amené à revenir ici de toute façon. Donc on va pouvoir se diriger vers... le passage en feu. Il paraît qu'il conscience, on va repasser par là. Espérons qu'il n'y ait personne qui a repopé depuis. A priori, c'est bon. En tout cas, l'ambiance de ce jeu-là est beaucoup plus pesante que dans le 2, hein. C'est pas par là. Non. Bah si. Hop, 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 hop. Excusez-moi, je passe. On est d'accord que cette esquive ne sert absolument à rien. Au
pire. Cadeau. Ici. C'est de là d'où je viens. Ok. Oh, l'esquive de la loutre loupée. C'est tellement ça. Ok, donc on va par là. À droite. Là. Et on utilise le tuyau d'arrosage. Repair. Le coupe-boulon. Super. Il y a quelqu'un. J'ai envie d'aller chercher le fusil à pompe d'abord. Ok, donc c'est pas cet objet-là qu'il nous faut. Là, on a de la poudre supérieure, donc. Voilà, bon, la save, est-ce que c'est nécessaire ? BCS ? Ouais, doucement. Oh. Oh. Martin, pas comme ça, je suis pas infecté. Ok, fais-moi voir ça. Non, 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 attends. Ah. Ok. Putain, mais ça va pas. Il était infecté. Il était peut-être infecté. Vous êtes tous comme ça, Stars. Je comprends pourquoi vous vous faites tuer. Et vous alors, à l'UBCS ? Vous tuez entre vous, c'est ça ? Il allait se transformer. Tu as envie de mourir jeune, quoi, toi ? Retourne plutôt à la station de métro. On n'a pas besoin d'une âme sensible comme toi dans les pattes. Oui, d'accord. Ça, c'est des munitions de fusil à pompe. J'ai envie d'aller chercher le fusil à pompe. Hein. Allez, on va chercher le fusil à pompe. Le fusil à pompe, c'est quand même cool. Alors attends, on a dit que le fusil à pompe, il était... Non. Non. Par là. Que le passage soit libre. Hop. Ouais. Évidemment. Qui était planqué là? Non, je croyais. Là-bas. Je crois que Sam a fini sa douche. Non, attends, le fusil à pompe, il est pas dans cette pièce-là. Totale découverte. Ah oui, c'est la première fois que je le fais, ça, le 3. Voilà, le fusil.
fusil à pompe est là. Tac. Et le fusil à pompe est à nous. Mais t'étais dans quelle cave? Je vais l'appeler Pacemaker, moi. c'est drôle, j'aime bien. Vas-y, on va le tester sur un zombie random, le peupon. Sam, le truc, c'est le jeu, c'est que je l'ai... Déjà, j'ai la boîte, hein. Je l'ai... En fait, le jeu, je l'ai eu quasiment à sa sortie. Non, quand même pas. J'ai lu peut-être 2 ou 3 mois après. Et j'ai jamais fait. Vas-y. Oh, bah bonjour, toi. Boum. Au fait, Etienne, du coup, j'ai oublié de te demander, mais t'es dispo ce soir pour Racing? Oui. Écoute, oui, mais plus tard. Moi, ce serait un peu plus tard. Mais oui, je suis carrément chaud pour faire du Sonic Racing. En plus, le jeu est installé sur mon PC. Putain, y'a quoi là? Munition de pistolet. Ça, parce que j'ai zappé de te demander personnellement après si tu viens. Tu viens trop tard, on risque de switch sur Smash Ultimate. Non, je pense que ce serait aux alentours de 22h ou un truc comme ça. Je vous dis, Smash Ultimate, je joue pas. Hein. Non, j'ai. Remarque, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Allez, je passe par où? 22h, peut-être que le stream sera fini, quoi? Tu finis super tôt? Enfin, je sais pas ce que ça a fait, mais ça l'a fait, hein. Bah ouais, mini stream, on n'est pas vraiment en marathon. Quelques courses sur Racing, quelques combats sur Ultimate, le tirage au sort et bye bye. Ah, c'est ce soir le tirage au sort. Ah. Et c'est ça que j'ai éclaté. Bah en fait, ouais, je suis désolé parce que du coup, je me suis pas du tout organisé pour pouvoir venir ce soir. En vrai, je pense qu'on tirera jusqu'à 23h. Les gars, vous êtes vraiment obligés de faire du Smash Ultimate? Vu que ça va être le bordel avec Titou et Gildas. Alors s'il y a Titou et Gildas, le stream va durer jusqu'à 1h du matin, hein, je te le dis tout de suite. Non mais les gars, vous êtes pas obligés de faire du Smash Ultimate. Sonic Racing, c'est très bien. Par contre, cette musique... Elle est incroyable. Elle est vraiment incroyable, celle-là. Je sais pas, j'ai ma compagne qui est rentrée, elle est épuisée, elle reprend le boulot demain matin, faut que je coupe les micros vers 22h30 ou plus tard, sinon je vais finir sur le trottoir. D'accord, ok, pas de soucis. Je vois. Ok, donc on sauvegarde pas, je voulais juste écouter la musique. Putain, mais cette voiture est énorme. C'est vraiment un problème au niveau des tailles des bagnoles, hein. En vrai, on verra comment on fait. Je pense faire un mini unboxing de mon bouquin sur la Dreamcast. Ah oui, j'ai vu que tu l'avais reçu, que tu l'avais commandé en 2017. Ça fait beaucoup d'années, ça. Alors, donc là, c'est la préco la plus longue de l'univers. Tu m'étonnes. C'est quoi ça? Des munitions de pistolet. L'aide d'un suicide d'un soldat.
payer les coupures, ils étaient en cours de notre association. Bon, ça me gâche, je peux pas stream avec l'encodeur de ma carte graphique. T'as regardé si t'avais pas un pilote à installer ou un truc comme ça? Parce que des fois, il suffit de pas grand chose. Ce générateur fonctionne avec des courants haute tension. Si l'un d'entre eux devait être heurté ou touché par un coup de feu, cela pourrait électrocuter toute personne se trouvant à proximité. Non, je suis à jour. Oui, bah ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Bah alors, Sam, t'étais électricien à Raccoon City? Pour prix, si vous voyez un générateur qui est installé, ne vous approchez pas. Bon, y'a pas de risque, c'est que d'abord, comme on dit. Merde, je suis grillé. Ah, mais en plus, le jeu de mots. Super, magnifique. Je sors, ok. Oh non, non, pas les chiens. Mais non! Ok. Ça me gave. Bah, tu m'étonnes. Non, 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 non. Dégage. Et merde, en grattant les couilles, j'ai fait un méga trou dans mon pyjama. Non, maintenant, j'ai littéralement la bite à l'air. Et j'arrive pas à faire quoi que ce soit. Bah mince alors. Faudra qu'on se pose en vocal, qu'on regarde ça, parce que ça me paraît bizarre. Mode beauf activé. Pas un truc dans la voiture de flic. Ils m'ont clairement corrompu les deux autres blaireaux de Beauflande là. Je vois pas de qui tu parles. Franchement. Mec, tu. What the fuck? En verte. J'ai pas envie de m'embêter, hein. Merde! Oh, c'était limite ça. Et je crois que je l'ai eu. Merci pour le fou rire. Chaton féroce, si t'en veux plus comme ça, je t'invite à aller follow Oncle Sam Productions, hein, il stream aussi. Non mais tu vas pas venir. Va pas par là, je suis là. Hop, cadeau. Ah oh, oui, magnifique. Un bout de cervelle qui a resté coincé sur le casier, j'aime bien. Poudre noire, est-ce que je peux faire... Non. Ah chérie! Ah! Attends. Ah! Allez Sam, ça tire à balles réelles, ça commence. Une plante rouge qu'on va directement combiner avec ça. Eh ben je meurs, non! Va te laver. Avec du formol. What? Un moment décidé pour essayer de couper le réseau. Ce que le cam sera revenu à activer les 4 disjoncteurs sans attendre. Vous devrez ensuite actionner l'alimentation principale dans la salle de contrôle pour établir le courant. 4 disjoncteurs, c'est énorme. Alors franchement, j'étais motivé, mais là tout de suite, j'ai comme un doute. Ok, une sacoche. Petite save, c'est pas de refus. Ta maman, tu peux pas dire ta mère comme les vrais, noob. Ta maman la formole. Ah, d'accord.
Ça marche, Varon. What the fuck? Mais c'est quoi ça? Oh, cette odeur, on dirait... Oh, je veux même pas y penser. On m'explique, c'est quoi ça? Ah putain, tu vas t'éclater là-dedans. Un conseil. Non, car ta maman, elle est respectable, donc c'est maman, pas une mère. Garde une herbe verte à portée. J'ai un mix là, donc c'est bon. Ah d'ailleurs, tiens. Hop, hop, on va même faire ça comme ça. Mais du coup, est-ce que Oncle Sam est prêt à installer un Tipani chez lui? C'est ça la grande question. Pas un mix. Il te faut une herbe verte simple, pas un mix, pourquoi? Bon bah attends, je charge ma partie si tu veux. Ok. Voilà, heureusement que la PS5 ça va vite. Oh, cette odeur, on dirait... Oh, je veux même pas... En fait, je sais plus, mais dans tous les cas, tu vas en chier. Merci, Sam. Je commence à me demander si Chad est... J'ai essayé de me faire vomir, mais ça a pris une abandonnée. Ah bon. Plante verte. Joker. Toujours pas y aller. Si j'avais mes outils de crochetage. Oh non, mais c'est quoi ça? Oh mon Dieu. Bon, c'est pas grave, je... Ok, voilà. Ah bah voilà, les outils de crochetage. Je savais, j'aurais dû parier. C'est quoi ça? Yamese Kudasai? Pourquoi il a fallu que ça arrive avec Jim Valentine, ce genre de truc? Ah mais c'est ça. Et donc là du coup... Ok, d'accord. Espérons qu'il y ait des... Oh non, mais c'est quoi? Bon, si tu te fais rechoper, t'es dans la merde, bah ouais. Je prends ça avec moi. La première fois, j'ai eu un bug, l'herbe verte n'a pas marché, je me suis fait démonter. Ah, les boules. Ah! Mais qu'est-ce que c'est que ce passage? Je vais prendre mon fusil à pompe dans la gueule, toi, surtout. Mais qu'est-ce que c'est que ça?
Ah, pas trop stress. Évidemment. Rentre là-dedans, rentre là-dedans. Munition de pistolet. Ah, le problème c'est que. Il voulait t'inséminer! Ça, toi déjà? Ok, ça nous fait deux disjoncteurs. Deux disjoncteurs! Casse-toi! Bon, ils sont pas très très solides, donc ça va. En deux balles, ils sont morts, mais le problème c'est que. Ils arrivent un peu à l'infini, j'ai l'impression. Ça va, il se... Connard. Ah, attends, parce que je suis sûr qu'il y en a un planqué dans le coin là. Bon, faut que je trouve le... Ah! Ok, donc je suis revenu au début. Bon, on peut respirer un coup, hein. Il nous reste plus qu'un seul disjoncteur. Celui-là est déjà remis, celui-là aussi. Va te faire foutre, tiers. Tiens, le dernier est là. Alors maintenant, faut que je trouve comment on y va. Évidemment, c'est de l'autre côté. Ouais, c'est ce côté-là. C'est par là. Ok. Avant qu'on se fasse bouffer dans tous les coins. La sortie, elle est là-bas. Run for your life. C'est bon. Tout va bien, tout va bien. Tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé. Alors maintenant, arrête via le panneau de contrôle. Donc la salle de contrôle, c'est ça. Je crois que c'est ça.
courte. J'ai l'arceau de mon casque qui me fait mal à la tête. Ok. T'as plus qu'à activer l'alimentation principale. Et normalement, c'est là, je crois. Ouais, c'est ça. Ça va, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Ah, attends, c'est où qu'il y a un cadenas par contre? Carlos, c'est Jill. Ça y est, j'ai rétabli le courant. Beau travail. Prochaine étape, le système de contrôle du trafic. Ça devrait être dans les bureaux de la compagnie de métro. Ouais, je crois savoir quel bâtiment c'est. Ah ouais? Ça fait plaisir de voir que t'as toujours une longueur d'avance, partenaire. On n'est pas partenaire. Ça, c'est dit. Attends, on est où là? Waouh! Ça va toi? Il a l'air beaucoup plus vénère que Mister X, hein. Oh putain! Allez, on passe. Pardon. Mais pardon ? Est-ce que quelqu'un peut me lancer un c'est le fail, s'il vous plaît ? Oh, j'ai le seum. Donne un cookie, remonte le moral au stream. Merci, chaton féroce. Ça me fait penser qu'il faudrait que je me refasse des cookies, hein, ces gars. Bah ouais. Et c'est le fail. Yeah. PS5, une console de qualité. Sam, n'en profite pas. N'en profite pas, Sam. Attends, j'ai envie de faire un truc. On peut décrire le problème, donc on va le faire. Bah en fait... Je jouais... tranquillement... pour... Ah bah tu crois que je vais me gêner, tiens. Attendez, je suis en train d'écrire un mot là. Faut bien que je leur décrive le problème. Pour divertir mes viewers et d'un seul coup. Tu marques, pouvez-vous manger mes boules avec du paprika pour me remercier de m'avoir vendu votre console de merde? Oh, mais c'est pas vrai.
Et d'un seul coup... Pouf! Pouf! D'un seul coup, pouf! Le jeu a planté. C'est chiant d'écrire à la manette. Et d'un seul coup, pouf. Putain, mon ordi a fait un blue screen en même temps. Mais what the fuck? D'un seul coup, pouf, le jeu a planté. Et c'est quoi la capture d'écran? Ah, il a pris une capture vidéo directement. Carlos, ce monstre est encore vivant. Il est à Metros. Quoi? Cours! Reviens à la station. Pas avant d'a... Voilà, pouf, ça a planté. Bah vas-y, je rejoins la vidéo avec, hein. Allez. Ah, c'est vachement bien Resident Evil 3, hein. Ce que j'espère juste, c'est qu'il va pas me faire revenir trop loin, quoi. On va y retourner, hein. Et qu'il va pas me faire planter au même endroit à chaque fois. Continue, hein. Je suis où, là? Bon, ça va, je reviens ici. C'est pas trop trop loin encore. Putain, c'est vrai que mes dossiers étaient sauvegardés. Bah ouais, tu m'étonnes. Donc là, il va réapparaître, là, le gros con. Hop là! Alors, c'est assez efficace pour esquiver... Attends, j'ai fait un... Waouh! Oh, j'ai fait une esquive parfaite. Carlos! Ce monstre est encore vivant! Il est à Metros! Quoi? Cours! Reviens à la station! Pas avant d'avoir remis le système en route! Ok. Bon, bah écoute, ça a pas planté, donc... Ouh, un spray de premier secours. Poudre supérieure, est-ce que j'ai besoin de faire des balles? Ouais, on va garder le spray de premier secours avec nous. Ça. La dernière sauvegarde est datée de quand? Donc, on va en refaire une dans le doute. Espérons que j'ai pas fait une sauvegarde qui est foireuse. Ma santé, je suis en attention. Ah ! Oh la vache ! Il est tellement vif ! Je me rends compte en copiant les fichiers que cette dite clé, j'avais l'équivalent d'une année de travail que Conta. Que j'avais pas copié sur mon ordi. Wow. Par là. Non mais esquive plutôt que de rester planté là. Oh la vache. Dégage. Je fais n'importe quoi. Putain!
Putain, c'est par où la station de métro? Je sais même pas où je suis. Mais j'étais au bon endroit. Pour demi-tour. Wow. Hop, 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 hop. Là, par là, par là, par là. Ouais, c'est bon, j'étais au bon endroit. Alors, attends, est-ce que ici, du coup... Donc, il y en a trois à récupérer en tout, j'ai l'impression. On va prendre la grenade. Bon, il a l'air de pas venir. Donc, on va pas se soigner, merde. Parce que là, je suis tellement dans le rouge. Tiens, on va crocheter ça. Et on a des balles de fusil à pompe. Et... Je suis heureuse de pas l'avoir fait. Ouais, bah oui, tu m'étonnes. Oh, par contre, le Némésis, quoi. Il est tellement plus vénère que Mister X, c'est ouf. C'est quoi ça? C'est bon, j'arrive. Je suis là, les gars. Jill, merci. Je sais que tu ne laisseras jamais tomber tous ces pauvres gens. C'est tout? Réactiver le système de métro. Retourner, putain. Bon, on y retourne, hein. Espérons que ça a pu le faire, espérons qu'il soit parti. J'ai que dalle pour me soigner en plus, hein. Je m'en fous, je fais la masse de save. Bon, je compte pas le finir en difficile, enfin aucun Resident Evil d'ailleurs. Il est parti. Non. Non, non, il est pas parti. Oh la vache. Bah, on va essayer de y aller comme on peut. Non, tu mourras pas. Allez, bisous. Je suis dans la merde. Je suis dans la merde. Ah, si je lui mets un coup de peupon dans... Allez, on s'appelle cousine. Et c'est le cœur.
Ah, même un coup de fusil à pompe, ça l'arrête pas. Hein. Faut descendre. On va passer par là, j'espère qu'il pourra pas rentrer. J'ai l'impression que si, mais c'est pas grave. Ok, j'ai eu le trophée doublé de connard. Oh putain, le stress de ouf! Carlos, je suis dans la salle de contrôle. Qu'est-ce que je fais? Bien, maintenant faut que tu entres en itinéraire. D'accord, une seconde. Ok. Ok, où est-ce qu'on va? Le train est arrêté à Redstone Street. On doit aller à la station Fox Park. Tu peux programmer ça? Hé, hey, je suis super flic. C'est comme si c'était fait. Attends, faut comprendre comment ça fonctionne. Qu'est-ce que c'est que ça? Pas. Alors RE 01 FA 01. RA 01. C'est quoi déjà? Redstone Street à Fox Park. Déjà, Redstone Street à Fox Park. C'était quoi déjà? Redstone Street à Fox Park. Faudrait faire... C'était quoi déjà? Redstone Street à Fox Park. Donc RE01 FA02. C'était quoi déjà? Redstone Street à Fox Park. Voilà. Ensuite de FA02 tu vas à RA04. C'était quoi déjà? Redstone Street à Fox Park. Non, c'était RA03. RA03, SA02. C'était quoi déjà? Redstone Street à Fox Park. Attends. FA02, RA03, SA02. C'était quoi déjà? Redstone Street à Fox Park. Oui. Valide, confirmé. Carlos, c'est moi. J'ai fini d'entrer l'itinéraire du métro. Jill, t'es génial. Et coriace en plus de ça. Reviens à la station, on va s'assurer que le métro est prêt à partir. Ouais. Va falloir que je me tape encore le gros balèze. J'espère qu'il y a de quoi se soigner là-dedans. Évidemment que non. Je suis dans le caca, je suis dans le caca. J'espère qu'il y a un...
Non, parce que je... Attends, je sais qu'il y a un truc à crocheter, là. Oh oui, nickel. Ça va nous donner un peu de marge. On va recharger le peupon. Ok, donc on va pas chômer. Oh, des parasites à l'aéro 4, génial. Oh putain. Il est encore là, évidemment. Allez, vite. Hop, tu m'as pas eu, niqué. Voilà. Ok. On s'en sort plutôt pas trop mal. Faut pas se plaindre. Je regarde si le... Mais non, c'est bon. Bravo, super flic. Tu m'impressionnes. On peut partir ? Ouais, presque. Il nous faut 30 à 40 minutes pour finir la maintenance. Nikolai, du nouveau ? Ces saloperies sont partout dans la ville. Aucune chance de sortir si on les affronte. Qu'est-ce qu'elle fout là ? Elle nous aide à faire redémarrer le métro. C'est pas le moment de s'encombrer d'un boulet. On peut pas se fier à elle. Elle est incapable de tirer quand il le faut. Eh, vas-y, Molo. Je t'aurais prévenu. Je suis désolé. Tout le monde est un peu à cran. Oh putain, pas lui. C'est moi qui cherche. Oh, évidemment. Hey, attends, reviens, Jill. Non. Allez, viens, espèce d'enfoiré. C'est là ce que tu veux. Alors amène-toi. Teste ça. Ouah, mais il est tellement stressant ce jeu, bordel. Concentre-toi. Carlos, tu me reçois ? Carlos ! Évidemment qu'il te reçoit pas. Trouve une autre issue. Bon, point de save, c'est cool. Retouche
cartouche de pompe, cartouche de pistolet. Ça, c'est la map. Oh, et on se retrouve dans les égouts. Avec un peu de chance, on va croiser des endroits qu'on a déjà vus dans Hero 2. Ça devrait me servir. Bon, a priori, j'ai plus besoin de ça, donc... Le crochet, j'en ai encore besoin. Le spray de premier secours, on va garder. On va recharger le fusil à pompe, comme ça, ça va nous libérer une place. Voilà. À ce qu'il faut. La porte est pas alimentée. J'ai pas envie de descendre, moi. Bon bah quand faut y aller, hein. On sait qu'une grenade suffit pour les tuer. Ah ah ah. Ok. Une batterie. On prend deux places. Wow. Explosif A. Ouais, on peut pas le combiner. À mon avis, ça doit se combiner avec autre chose. La plante verte, je voudrais bien l'utiliser. Bah non, attends, je suis con. On peut directement faire ça. Poudre supérieure.
Parce qu'il faut faire le chemin inverse. Attends, il n'y a pas moyen de faire... Ah oui, d'accord, ok. En fait, il en faut deux comme ça. Le problème, c'est qu'ils en ont mis qu'un seul, donc... Ça m'aurait bien arrangé, en fait, qu'ils mettent... Ils en mettent deux. Oh bah, écoute, on fait le chemin inverse, hein. Grenade incendiaire. Ah, on peut pas les prendre, mais je crois qu'on n'a pas l'arme adaptée pour. Des sacs à PV encore ça. Hein. Attends, chic copain, j'aime. Ça vous fait du divertissement, écoutez, hein. Moi ça me fait plaisir. Hein. Oh non, mais non. Ah, j'avais une grenade. Ah bah je suis mort. Je crois qu'eux, ils te one-shot. Voilà. Shot. J'espère que je reprends pas trop... Non, ça va, je reprends d'ici. Ça va encore. Ça va encore... Ah, par contre, faut juste que je reprenne... Non, et... Tu combines avec ça. Alors, poudre noire. On va refaire, tiens, on va refaire des... Ah, cartouche de pompe. Ah ouais, ça c'est pas mal à la rigueur. Ouais, écoute, on va se soigner. Ça va peut-être pas changer grand chose. Mais... Faut que j'arrive à récupérer la grenade que j'ai vue là. Comme ça, le mec, je le déglingue. Enfin, le mec. C'est pas vraiment un mec, mais bon. Ouais, toi, vas-y. Toi, t'apparais. Vas-y, viens, viens. Oh merde. C'est des putains de sacs à PV quand même, hein. Donc la grenade, on la chope. Chope la grenade. Sinon, au pire, tu les esquives et go speedrun. Je peux essayer de faire comme ça aussi. Faut au moins que je bute le premier parce que sinon je vais en avoir deux derrière moi.
Oh, j'ai assez de balles, j'ai assez de balles. Donc la grenade. Donc par là, bureau. Bon, j'ai envie de regarder voir ce qui se passe par là, mais. Ah ok. Pour l'instant, on s'en fout de lui. Même si j'ai une grenade, je peux le déglinguer. J'ai l'impression qu'une grenade, ça suffit à les tuer. C'est pas ce que je te demande. Alors, ça c'est quoi? Ça c'est fermé. Ça ouvre la porte. Oh mais non. Eh ben ça va que j'avais ce qu'il fallait. Est-ce que l'échelle, on peut la... Oui. Ça va nous faire un raccourci déjà, ça c'est cool. Donc ok, ça va être un système... T'avais un peu ce système là dans le RE2 aussi. Donc du coup, ouais, ça referme la porte. Mais comme cette porte là est ouverte, c'est pas un problème. Déjà, on récupère ça. On récupère un explosif, oui, si tu veux. La poudre noire. Je vais pas en faire grand chose, hein, de la poudre noire. Il faut ouvrir la porte là-bas. Hey, Atomania, comment tu vas? Regarde à quoi on joue. Merci pour ton resub, ça fait super plaisir, comment tu vas? Alors depuis... Merde, depuis tout à l'heure, je suis en... Oh non mais Sam. Oh là là là, mais Sam... Désolé, depuis tout à l'heure, je suis en full screen. Oh mais Sam, merci pour le... Attends, parce que je ne suis plus. Merci Sam pour le subgift. Merci à Tomania pour le resub. Et du coup, le subgift va à Blip Holland. Incroyable, et on a un nouveau train live en approche. Merde, j'ai mis click. Bon bah, kiff, lol. Par contre, j'avais pas vu que j'étais en full screen depuis tout à l'heure, je suis désolé. J'ai pas fait gaffe. Voilà, bon, comment ça va, Tomania?
On a 37 abonnés sur... Carlos, tu m'entends maintenant ? Jill, tu m'as foutu la trouille. Tout va bien ? Ouais, ça va. Je me mets. Parfait. Le métro est prêt à démarrer. On part dès que t'es revenu. Ok, j'arrive. Ah, coucou toi ! Ça va ? Putain, en plus il a un lance-flamme. On se casse ! Hop là ! Ok, donc faut vraiment prendre le coup de main pour les esquives en fait. Bah apparemment ouais. Ah merde. C'est la merde, c'est la merde. Oh là 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 là. Run for your life. Run for your life. Saute. Bon là Tomania, tu sais à quel moment du jeu on est à peu près. Je t'ai vu jouer ce passage là en plus. Ok, point de save. Qu'est-ce qu'on a? Attends. Montard de démolition. Ok. J'ai quoi là-dedans? On va... non. Combiner avec ça. Voilà. Ce sera déjà mieux que rien. On fait une petite save. Recharge-le. Voilà. Je crois que ça a explosé. Alors qu'est-ce qu'il faut faire là? Un combat chaud, très chaud. Okay, donc là je récupère du stuff, à fond les ballons. Chaud dans le sens qu'il y a du feu ou chaud dans le sens difficile? Ok, oui, d'accord. Ah, ça brûle. Ça brûle. Dans le sens, il y a du feu. Ah bah oui, pour le coup... Là oui, pour le coup, il y a du feu. Ok, je pense avoir compris le principe. Si on reste loin de lui, ça devrait le faire.
sauf que là il s'approche dangereusement. On peut pas s'en servir de ça, Végéant, j'ai pas de lance-grenade. Tiens, on va en profiter. On va se faire un soin. Voilà, de toute façon, des soins, c'est pas ce que je manque. Oh merde, merde. Oh, il y a Ombrève. T'arrives en... Ouh, ça explose. Étienne, Ombrève. Ombrève va te faire un cadeau, Étienne. Oh là, qu'est-ce que tu vas faire? Oh putain. Oh la vache. Est-ce que vous allez faire la chanson de l'écureuil? Ah, évidemment. Alors oui, il y a des comptines, hein. Je connais pas celle-là en particulier. Bah, c'est un petit écureuil qui sautait de feuille en feuille. Un petit écureuil qui a perdu son portefeuille. C'est très bien, je... Où est passée ma noisette? Je ne sais pas, répond la chouette. Est-ce que vous avez la... Wow. Je maîtrise pas le jeu. Et ça va très bien avec l'action du jeu. Ah bah bien évidemment, hein, ça... Ce combat est épique. Wow. Sur ce jeu-là que je repasserai tout à l'heure. Ça marche, Ombrève. A plus tard. Attends. J'ai pas de grenade. Ah putain, ça aurait été cool. Ah merde. Non. J'ai loupé mon esquive. J'ai vu des balles de pompe, on va les récupérer. Putain, je l'ai eu. Merci, Sam. Ouch. Non, Jill, nous fais pas comme dans Destination Finale. Pour ceux qui ont la ref, bien sûr. Ouh. Super. En plus, il nous reste un soin, incroyable. Bon, maintenant qu'on l'a déglingué, lui, on va avoir un petit peu plus la paix dans le jeu, j'ai envie de dire. Putain, j'ai l'impression qu'on avance très vite. Hein. De toute façon, c'est bien ce qui... Merci, Atomania. De toute façon, c'est, je sais que dans mes souvenirs... Enfin, dans mes souvenirs... On m'a dit, de toute façon, que le jeu n'était vraiment pas long. Hein. Il est très très court. Carlos, c'est Jill. Tu me reçois? 5 sur 5. Ça va? Ouais. Cette fois, il est mort. Nickel, tant mieux. Mais qu'est-ce qui t'a pris de servir d'abat? T'aurais pu te faire tuer. Commence pas. J'ai pas eu d'autre choix. Je sais. Mais merci. Le métro est prêt à partir. Dépêche-toi. Mmh.
Regarde ce chemin. Tout tracé pour nous. Et là... on est censé reconnaître cet endroit. Sam, tiens, un petit quiz. Alors, Automania, je sais, toi, t'as la réponse directement. Mais est-ce que tu reconnais cette entrée de parking? Enfin, reconnaissez-vous cette entrée de parking? Je vous pose la question parce qu'on est déjà passé par cet endroit dans Resident Evil 2. Parce que ce n'est ni plus ni moins que le parking du commissariat. Nous avons localisé et récupéré 3 blessés. Nous sommes en route vers l'hôpital Spencer. Et la vraie question est, est-ce qu'il y a toujours la voiture difforme? Ouais, elle est toujours là. Ils l'ont pas réduite, ils ont rien fait du tout. Et je pense qu'à mon avis, pour économiser des ressources... ah, pas tant que ça. Là, là c'est vraiment le parking de, du commissariat. Ça, par contre, c'est pas beau, ça. Ok. Alors, est-ce qu'il y a des trucs à récupérer? Ah, j'ai loupé. RE, nouveau jeu acquis. Oh, c'est quoi? Alors déjà, est-ce que tes soucis de PC, ça va mieux? Et je disais, Baron? C'est une bonne situation, ça, Scribe. Mais vous savez, moi, je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Bah, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main, peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que mais les rien changé. Ah. Forgent une destinée. Parce que quand on a le goût de la chose, le jeu, c'est Beautiful Joe. Faite, ah. Le beau geste, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face, je dirais le miroir qui vous aide à... Salut Fly. C'est pas mon cas, comme je le disais là, puisque moi au contraire j'ai pu, et je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante. Ouais, je j'ai chante, pas le son, mais je peux quand même faire ça. Qu'amour. Et finalement, quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent « Mais comment fais-tu pour avoir cette humanité ?» Voilà. Et moi, je leur réponds très simplement, je leur dis « C'est ce goût de l'amour, ce goût donc qui m'a poussé aujourd'hui à entreprendre une construction mécanique, mais demain, qui sait, peut-être simplement à me mettre au service de la communauté, à faire le don de soi. » Troll mode activate. Alors, est-ce que, Sam, tu crois que Ombre va désactiver son mode troll un jour? Hop, donc on va les contourner, hein. T'as vu, Etienne, y a que des lurkers sur nos streams, quel manque de respect, aucun investissement, rien. Alors, crochetage? Non, c'est une clé qu'il faut? Alors voyons voir s'il y a du changement par rapport aux deux. J'ai l'impression qu'il y a eu un petit peu d'aménagement de fait. Bref, avant le script, tu me demandais quelque chose, Etienne Wolf. Oui, mais si le PC, ça fonctionnait. Ok, ça va, j'ai de la place. Canon semi-auto fusil. OBS, rien savoir, putain. Tiens, on va pouvoir faire. Hop. Ah ouais, mais non. Ah ouais, mais non, c'est nul. T'as zéro motif, on est pas sur toi. Poudre noire. Pas mal de trucs à récupérer là, donc... Bouge pas! Merde, Jill! Oh, Kendo, t'as rien? J'ai rien, c'est vite dit! Désolé, je voulais pas te faire peur. Je savais pas trop à quoi m'attendre. Sans blague, écoute,
On évacue les survivants par le métro. Tu viens ? Le métro ? Ouais. C'est une bonne idée. Une fois dehors, on aura de quoi faire. Tu pourrais nous être utile, tu sais. Qu'est-ce qu'il y a ? Rien, c'est juste que... le moment est mal choisi. Écoute, t'en fais pas pour moi. Je vais m'arranger autrement, d'accord ? Y a intérêt. T'es le meilleur armurier qui soit. Oh non. Pas de risque inutile, d'accord ? Le risque, c'est ton métier, hein ? Sois prudent, Jill. Alors, on a frôlé le train de la hype tout à l'heure. Au métro, on emprunte l'allée de service à côté du magasin. D'accord ? La clé est accrochée au mur. Ouais, t'inquiète. On l'a frôlé tout à l'heure, hein, le train de la hype. C'est quoi, c'est... Oh oui, un point de save là, cool. Alors le fusil... aimant pour fusil à pompe. Ah bah on peut le... Attends. Voilà. Ça on va le déposer parce qu'on a pas ce qu'il faut pour l'utiliser. La poudre noire, on va la garder. Et le reste on est pas mal. Petite save. Incroyable cet OST. Bon, est-ce qu'on a tout vu ici ? Non. Et j'aurais dû voir ça plus tôt. En vrai, j'aurais bien envie de m'arrêter là pour aujourd'hui. Parce que, très franchement, je pense qu'au prochain stream, on a fini le jeu. Hein. Parce que là, en plus, ça va être l'heure. J'ai pas vu l'heure passer, je vous avoue. On aura quand même bien avancé. Donc attends, là, on vient de save. Hein. Ouais, c'est ça, c'est bon. Ok, bon, écoutez les viewers, je propose qu'on s'arrête là pour aujourd'hui. Et on va continuer demain, je pense. Etienne, j'ai faim. Bah, Flysous, tiens, ça va être l'heure d'aller manger. Bon, Etienne, mauvaise nouvelle. Ma CB veut pas, je peux pas te faire de sub. Ah, bah, bon, c'est pas grave, bon, bref, t'inquiète pas. C'est très gentil d'y avoir pensé, déjà. De toute façon, je sais que toi, t'offres pas mal de... Enfin, tu subs souvent à la chaîne, donc c'est adorable de ta part. Et ouais, c'est bizarre. Bon bah c'est pas grave, t'inquiète pas, en bref. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà, je vais juste regarder un truc si... Y a personne qui stream à ce moment, à cette heure-là. Parlez-vous au cours de mime ? Ok, d'accord. Arrêtez de me saouler avec la PS5 Slim. Ah, Roro, t'as sorti ta vidéo sur la Chibi Rouen. Bonne soirée tout le monde, et à plouplouche des zibous. Désolé, Etienne. Bah, pourquoi t'es désolé, Roro? Ah bah, coucou, Abby, Luninga. Pardon. Comment tu vas? Bah, t'arrives à la fin du stream, là. On a bien avancé, on est sur Resident Evil 3, remake, bien sûr. Oh, le retard. T'inquiète. Voilà. Donc, je regarde éventuellement qui c'est qui stream. Et je laisse cette OST-là parce qu'elle est incroyable. Je trouve qu'elle est incroyable. Alors. On n'a pas grand monde. Si, je pourrais vous envoyer chez Magla, mais... Pas sûr que qu'elle voit que j'arrête, quoi. Il y a Voldemort qui stream, si tu veux. Non, c'est bon. Etienne, à quand un Mario Kart Double Dash à 2? Ah, ça pourrait être sympa, Mario Kart Double Dash à 2. Déjà, j'ai promis une partie de cartes avec Tito et Gilda sur Mario Party 5. Donc, faudra qu'on se fasse ça. Donc, à la limite, pourquoi pas, on pourrait faire le stream nocturne. Allez, j'y vais, adieu. Bah, je reviens que maintenant. Ah, attends, mais t'inquiète pas, Roro, il n'y a pas de souci. Je viens de voir que ta vidéo... t'avais fait une vidéo sur... la Chibi Rouen, bah, j'ai pas pu y aller, donc je vais pouvoir aller regarder ça. Moi, dans...
et ne reviens jamais. Ouais, y a pas grand monde qui stream, hein. J'ai regardé, voilà quoi. Et si tu veux, là, un peu la flemme d'aller chercher un nouveau streamer à raid en vrai. Y a Papy Ménélos, mais ce qu'il fait, ça me dit rien. Si tu me bannes, tu vas te plaindre que je lurk. Mais non, c'est Sam qui se plaint des lurkers, c'est pas Baron. Bon, déjà, on va... Attends, on va couper le jeu. Est-ce qu'on peut couper le jeu? Ouais. Pourquoi tu veux un ban? Bon, allez, hop. Retour sur l'écran de chat. Avec la transition qui déconne, c'est génial. On va remettre un petit peu de musique, maestro. Voilà. Bon, histoire qu'on se dise au revoir quand même. Hein. Je préfère un bon. Alors ça, Roro, ça vaut un... Voilà. D'ailleurs, Baron, j'ai trouvé un nouveau son. Enfin, j'ai fait un nouveau son que tu... Je pense que tu vas bien aimer. Je te le fais... Tiens, je vous le fais écouter. Donc, la... Merci Etienne. Alors, attends, faut juste que je le retrouve dans ma liste. J'espère juste que je vais pas me faire strike par ça, mais normalement c'est bon. Donc Baron, la prochaine fois que tu diras c'est la faute à Etienne, moi je te répondrai par... C'est pas ma faute. Voilà. Fais péter les watts. Mais péter des R. Je valide. Ah non, mais franchement, quand j'ai fait le son, j'étais avec Titou et Gildas en vocal, mais on s'est tapé des barres. Le son est un peu fort, par contre. Oui, oui. J'ai juste pas pensé à mixer, à faire le mixage. Donc attends, je vais vous refaire. Donc, Baron, c'est la faute à Étienne. Moi, je réponds... C'est pas ma faute. Voilà. Viens là, de toi, là. La de toi, qu'est-ce que tu racontes? Hop, tiens, on va en profiter. On va couper le jeu. Voilà. J'ai pas compris ce que tu voulais dire, Fly Souls. Bon, en tout cas... dis, ça bug ça. Bon, ça me dit que j'ai zéro vue. En gros, je dis ça me vient là deux secondes. D'accord, ok. Bah écoutez, moi je vais vous laisser ici. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à aller voir Sam qui stream à 21h. Moi, je te dis, Sam, pour le stream, moi, je serai pas là avant 22h, donc c'est ça le truc. D'ailleurs, Etienne, j'ai trouvé ta chaîne YouTube, MDR. Ah, bon, il y a point. Ça fait un moment que je l'ai pas alimenté, ma chaîne YouTube. Hein. Si c'est la Etienne Wolf TV, j'ai pas encore. Il se prend pour qui, petit? À 20h, allez voir Oncle Sam. Bon, Baron, j'espère que ton souci d'OBS va se régler. Parce que bah, sinon, c'est un peu chiant, quoi. Donc, voilà. Touk. Voilà. Attends, je peux faire un petit... Et c'est le fail. Yeah. Hop. Attends, je fais un petit SO pour Oncle Sam. Et un SO pour Baron aussi. Parce que allez le follow aussi, parce que c'est des copains du stream. Ok, bon, bah pour moi c'est tout bon. Donc je vous fais des gros bisous. À 20h, Oncle Sam qui stream. Et Baron, dès qu'il peut, il streamera aussi. Donc allez le soutenir. C'est un copain du stream. Ce sont tous des copains du stream et
du love sur vous, les gars. Allez. Des bisous à tous. Tchuss.